Ils se disent médiums ou spirites. Ils disent communiquer avec les morts. Certains seraient capables de prendre en photo le visage des fantômes. D'autres pourraient écouter et discuter avec les revenants. Bonjour. C'est une voix qui nous dit, d'enfant qui nous dit bonjour. Certains seraient même capables de faire apparaître des entités paranormales venues du monde des esprits. Voyez là, au niveau de taille, elle est extrêmement petite. Qui sont ces hommes et ces femmes qui parlent avec l'au-delà? Quelles sont leurs techniques et leurs étranges pouvoirs? Peuvent-ils réellement parler avec les morts? Sans qu'on les appelle, les morts viennent hanter les vivants. Des fantômes parfois bienveillants, souvent effrayants, qui transforment la vie de certaines personnes en cauchemar. Quand je l'ai vu, j'en avais la chair de poule. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment se débarrasser de ces spectres, ces esprits frappeurs, autant de phénomènes inexpliqués qui précipitent parfois les vivants dans la folie? Nous allons partir à la rencontre de spécialistes, de médiums, de chasseurs de fantômes. Il y a quelqu'un là-haut, c'est top. Vous entendez? Pour percer les mystères de l'au-delà, ouvrons les dossiers surnaturels. Peut-on communiquer avec les morts? Et d'une manière générale, les esprits existent-ils vraiment? Et si c'est le cas, pourquoi viendraient-ils tourmenter les vivants? Au début de notre enquête, nous avons trouvé sur Internet la carte de France des lieux hantés. Des cimetières, des abbayes, mais aussi des carrefours routiers ou encore de vieux cinémas. Même si le château ou le manoir hanté reste le lieu de prédilection des âmes errantes. C'est le cas du château de Fougeray, situé à Caux, dans la Vienne. Une jolie bâtisse du XVIe siècle, chargée d'histoire, où les spectres et les anciens habitants continueraient de hanter les lieux. Nous sommes donc partis enquêter dans ce petit village entre Limoges et Poitiers. Nous avons rendez-vous avec la propriétaire du château, Véronique Geoffroy. C'est une passionnée de vieilles demeures. Elle a racheté Fougeray en 2009. Malheureusement pour elle, son coup de cœur a vite tourné au cauchemar. Nous, à la base, on est des fous de châteaux. Hein. Donc, ces gens qui sacrifient tout là, pour la restauration. Premier château, c'était un franc symbolique en 1999. On voulait en fait une autre aventure. Donc, on a acheté celui-ci en 2009. Un détail, cependant, aurait dû attirer l'attention de Véronique. Lorsqu'elle achète le château aux héritiers de l'ancien propriétaire, la demeure est inhabitée depuis plus de 50 ans. Il y avait sûrement plein de familles qui avaient vécu là, il y avait certainement des gens qui étaient morts ici, mais je dirais comme dans toutes les vieilles maisons. Je ne me suis pas posé la question, outre mesure, est-ce que l'histoire de Fougeray, elle est pire que l'histoire d'un autre château, j'ai pas vu ça comme ça, en fait, non. François est l'époux de Véronique. Il l'a suivi sans hésiter lorsqu'elle a craqué pour le château. Pourtant, lors de leur première visite, ils auraient peut-être dû écouter l'une de leurs filles, qui a eu d'étranges visions. Mathilde, eh ben, la première réflexion qu'elle nous a fait, elle, ce qui est bizarre, c'est avant l'achat, elle. Elle nous a dit, mais... « Maman, le château, il y a des gens dedans. » Elle avait vu des silhouettes. Les parents ne tiennent pas compte du ressenti de leur fille et achètent le château. Mais très vite, l'impression de l'enfant se confirme. Il y a une présence inquiétante dans cette vieille demeure. Cette fois, c'est Véronique elle-même qui va en faire l'expérience. Les premiers temps qu'on venait là, c'était pour faire des grosses sessions ménage pour y voir un peu plus clair, débroussailler, tout ça. J'avais sans arrêt l'impression, alors je sais, c'est très subjectif, tout le monde va me dire, mais ça, ça veut rien dire ce que tu dis, d'être épié.
Cette sensation reste diffuse, jusqu'au jour où Véronique aperçoit une étrange silhouette masculine passer devant elle. Une silhouette toute noire, glisser, traverser une pièce super nette et tout. Enfin, je veux dire, je pensais vraiment que, je sais pas, j'avais une maladie mentale qui s'installait, quoi. Au début, Véronique ne dit rien de son malaise. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que de son côté, son mari François éprouve les mêmes sensations. Il y a quelqu'un qui était avec moi. Une personne qui était une personne masculine qui était là, sur mon côté gauche, en permanence avec moi. Et je le ressentais, mais vraiment fortement. Véronique est en plein doute. Elle essaye d'ignorer ses apparitions. Mais lorsqu'elle a l'idée de photographier son château pour le faire classer aux monuments historiques, le cauchemar devient alors bien réel. Derrière la fenêtre, j'avais pas vu sur le coup. Je comprenais pas ce que c'était que ça. Puis c'est quelqu'un qui m'a fait remarquer, qui est médium, qui m'a dit « T'as quelqu'un derrière ta fenêtre, c'est net ». Et c'est vrai, en plus, quand je l'ai vu, j'en avais la chair de poule. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Les photographies, les voici. Derrière la fenêtre, on distingue des visages qui observent la photographe. Véronique est effrayée et finit par s'ouvrir à ses proches sur ce qui la hante. Je voulais plus venir à Fougeray. Et petit à petit, y a des gens qui me connaissent, qui ont senti mon mal-être et qui ont dit « Mais on dirait que tu l'aimes pas, ce château, comment ça se fait ?» Et je dis « Non, mais je me sens mal dedans. » Et puis, je sais pas, j'ai dû lâcher quelques infos. Puis ils m'ont dit « Ah ouais, non, mais attends, c'est des lieux chargés d'histoire, faut que tu fasses nettoyer. » Nettoyer, cela signifie chasser les fantômes qui pourraient hanter les lieux. Pour ce faire, les amis de Véronique lui conseillent de faire venir un groupe de médiums. Et leur diagnostic est sans appel. Ils photographient une dame dans les escaliers, ils enregistrent des voix. Mais je vous jure, je savais plus où j'habitais à la sortie de cette nuit. Il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre. Véronique nous a confié les photos prises cette nuit-là. Des formes étranges en ressortent. L'analyse est compliquée. Illusion d'optique ou réel fantôme, difficile de se faire une opinion. Les médiums venus au château de Fougeray ont aussi enregistré des sons étranges. Des fantômes ? Là encore, difficile de juger. Mais si ces photos et ces enregistrements sont bien ceux d'esprits errants, d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Et pourquoi hantent-ils ce château ? Après la visite des médiums, Véronique décide de se pencher un peu plus sur l'histoire de Fougeray. Elle contacte les archives départementales, les descendants d'anciens propriétaires, les historiens locaux. Et ce qu'elle découvre lui glace le sang. Je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de cyclique. Il y a quelque chose qui revient sans arrêt ici. C'est assez étrange, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une famille, enfin, tout se passe bien. Ça grimpe, l'ambiance, tout, ça marche, pas de problème. Et d'un seul coup, il y a un drame. Enfin, un drame, une tragédie plutôt. Et là, ça casse tout. Et clac, c'est revendu. En remontant la trace des différents propriétaires de Fougeray, une histoire va particulièrement bouleverser Véronique. Celle d'Alice, une jeune femme de 25 ans, décédée il y a près d'un siècle. Peu de temps après son mariage, Alice décède d'une maladie, des reins et début de tuberculose, enfin bon, sans antibiotiques ad hoc, voilà, elle décède. Et puis, son corps est ramené là, puisqu'elle est veillée ici, enfin, elle est enterrée d'ailleurs à Caux. Désespéré par le décès d'Alice, son père se met à jouer. Il finit couvert de dettes et perd le château familial dans la foulée. Ils s'endettent auprès de leurs meilleurs amis. Et ben c'est leurs meilleurs amis récupèrent Fougeray puisqu'ils ne peuvent pas rembourser. Et le cauchemar ne va pas s'arrêter là. Chose inimaginable, un an seulement après avoir acquis Fougeray, l'histoire a bien failli se répéter. En 2010, Violette, la fille aînée de Véronique et François, tombe brutalement malade. En fin d'après-midi, en fait, Violette s'est mise à avoir... Mal au dos, un peu diffus, un blocage au niveau rénal, on ne savait pas trop ce qu'elle avait.
Le diagnostic ne se fait pas attendre. Violette souffre d'une polynévrite infectieuse. La même maladie qui aurait emporté Alice il y a près de 100 ans. Très franchement, si on n'était pas dans les années 2000, enfin, si elle n'avait pas bénéficié d'un traitement antibiotique adéquat, elle serait décédée. Ça aurait fait comme Alice, elle a quand même passé 3 semaines à l'hôpital. Moi, je trouve que c'est une alerte. Depuis cet événement qui l'a terrorisée, Véronique n'a plus jamais voulu vivre dans ce château hanté. Elle a cherché à le vendre, en vain. La réputation de Fougeray n'est plus à faire et aucun acquéreur ne prendrait le risque d'acheter un lieu chargé de tant de malédictions. Alors pourquoi les fantômes, les esprits des revenants, viendraient-ils hanter les vivants? Pourquoi resteraient-ils dans notre monde? La croyance dans les fantômes et dans leur mystérieux pouvoir n'est pas nouvelle. Loin de là. Et l'histoire apporterait même une explication très précise à l'existence de spectres. C'est ce qu'explique Claude Lecouteux, historien et auteur d'une thèse sur ce sujet. On la trouve déjà chez Homère, cette croyance. À savoir que un mort doit... Enfin, vous avez, vous, moi, tous les vivants, ont, de par le destin, un certain nombre d'années à vivre. Si vous trépassez avant 80 ans, si, en admettant que ça soit ce qui vous a été alloué, vous ne pouvez pas passer dans l'autre monde ou dans l'au-delà. C'est impossible puisque vous n'avez pas, en fait, rempli votre durée de vie. Donc tous les gens qui meurent avant, par accident, par meurtre, par tout ce que vous voulez, eh bien, ils vont donner ce peuple de fantômes et de spectres et de revenants. Une explication qui pourrait s'appliquer au château de Fougeray, où une jeune femme décédée trop tôt continuerait à hanter ses murs. Reste à savoir ce que veulent les fantômes et quelles sont leurs relations avec les vivants. Il est très difficile de comprendre que dans les mentalités anciennes, le mort n'est jamais mort. Il est en retrait du monde des vivants, mais lui-même continue à mener une existence. S'il n'est pas content, il vient et il vous dit, et il vous fait part de son mécontentement. Si il a besoin de se venger, il sortira, il viendra se venger. Il est complètement vivant et, en outre, il a conservé le caractère qui était celui de son vivant. Mais si les morts peuvent interférer dans nos vies, et si les vivants veulent entrer en contact avec eux pour les apaiser ou tout simplement pour discuter, encore faut-il trouver un langage commun, une méthode de communication entre nos deux mondes. Au 19e siècle, un homme y a consacré sa vie. Il s'appelle Allan Kardec. C'est le père du spiritisme, une doctrine qui compte encore aujourd'hui des millions d'adeptes de par le monde. Il y a plus de 150 ans, Allan Kardec a affirmé que certaines manifestations paranormales sont un moyen utilisé par les défunts pour communiquer avec les vivants. Et selon lui, pour en avoir la preuve, rien de plus simple. Il suffit de se réunir autour d'une table, si possible en présence d'un médium. L'assemblée pose alors des questions. Si la table bouge, c'est qu'un esprit a entendu l'appel. Mais la théorie a bien évidemment ses détracteurs. Yves Lignon était universitaire à Toulouse. Avant d'être en retraite, il avait monté un laboratoire de recherche sur les phénomènes paranormaux. Un très très grand physicien, un nom que tout le monde connaît, qui s'appelle Henri Faraday, bien, a très vite montré que si les guéridons bougeaient, c'est parce qu'on les poussait. C'est vrai que les gens, ils ont beau appuyer les mains à peine, il y a des espèces de crispations musculaires qui se produisent et qui se coordonnent, et ça explique le mouvement. La théorie de Faraday a tout de même ses limites. Certaines manifestations n'ont toujours pas d'explication rationnelle, pas même un début d'hypothèse. Jean-Michel Grandcyr a consacré de nombreux articles à ce débat qui fait encore rage entre les scientifiques et les spirites, ceux qui affirment communiquer avec les morts. J'ai souvenir avoir lu de Camille Flammarion, qui lui était spirite convaincu au départ, et à la fin, il était plus réservé en disant qu'on avait affaire à ce qu'il appelait des forces naturelles inconnues. C'est-à-dire que les phénomènes étaient réels, mais on ne pouvait pas être absolument certain que ça vienne des esprits. Puis il y avait des gens qui ne voulaient pas l'admettre. Et un jour, il a emmené un savant qui s'appelait Babinet,
qui ne croyait absolument pas à ces phénomènes. Et Babinet a assisté à la séance. C'était une séance de table tournante. La table est entrée en lévitation. Babinet a grimpé sur la table qui était en lévitation. Et Babinet avait beau être sur la table, il disait « Je n'y croirai pas, vous ne me ferez jamais croire à des choses comme ça ». Et malgré le fait qu'il se soit retrouvé sur une table en lévitation, il n'a jamais voulu admettre la réalité du phénomène. Au cours de notre enquête, nous avons découvert que les spirites d'aujourd'hui utilisent des moyens de communication très élaborés pour entrer en contact avec les morts. Joël Hury est médium et président de l'IFRES, l'Institut français d'études et de recherche spirit. Une association qui s'inscrit dans la continuité des travaux d'Allan Kardec, tout en recherchant de nouvelles méthodes de contact. Car celle des tables tournantes souffre tout de même d'un grand défaut. Avec un guéridon, bah c'est fastidieux. Pour avoir un mot, eh bien, il y a quelqu'un qui récite l'alphabet, et au moment où c'est la bonne lettre, boum, le guéridon se lève un pied et retombe. Et même les questions les plus simples posent problème. Par exemple, demander son nom à un esprit. Si vous tombez sur un esprit qui s'appelle Zéphirin, et qui est bègue, vous commencez la séance de table tournante à 9h du soir, et à 3h du matin, vous ne savez pas encore comment il s'appelle. Joël Hury a accepté de nous faire découvrir ce qui fait la fierté de son association de spirit. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Comment va ? Comment allez-vous tous ? Et toi ? On passe à soir ? Allez-y, je vous en prie. Merci. L'association dispose en effet d'une machine étonnante qui permettrait de capter l'image des défunts qui cherchent à entrer en contact avec les vivants. Cette cellule de contact, Joël l'a construite avec les moyens du bord. Ici, nous avons une parabole, donc une parabole polaire, c'est-à-dire que le foyer de la parabole est centré. Tout ce qui est en face de cette parabole, les sons, et même les lumières, puisque la parabole est blanche, est renvoyée sur le foyer, c'est-à-dire là où est assis l'expérimentateur. Dans cette pièce capitonnée se trouvent deux caméras, un diffuseur de brume et un rétroprojecteur. Nous émettons une brume qui vient être éclairée par un rayon laser et filmée en deux angles différents par deux caméras. Après avoir fait entrer un volontaire, Joël bombarde la cabine de vapeur. La séance peut démarrer. Mais au préalable, il faut convoquer les esprits. Nous faisons appel à tous ceux qui sont disponibles autour de nous, toutes les entités qui seraient susceptibles de se manifester, de se faire reconnaître. Et puis nous prendrons ce qui vient, sans exiger, avec beaucoup d'humilité. Et puis, on espère que ça va fonctionner. Les caméras enregistrent la scène pendant 6 à 8 secondes. Et une fois l'expérimentateur sorti de la cellule de contact, il n'y a plus qu'à décortiquer la vidéo, image par image. Tu vois ? Ce soir, la pêche a été bonne. Durant l'expérience, les caméras ont enregistré ce qui pourrait être deux visages et un chiffre. Donc moi, ça m'a paru assez intéressant. Donc je vous la montre. Qu'est-ce que vous voyez ? Alors, on ne sait pas. En tout cas, pour pouvoir avoir ce genre de forme dans une brume qui apparaît sur une image, vous avez une chance sur 1 milliard, enfin, à mon avis. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est ? Quand on zoome dessus, on voit bien une structure. Donc, voilà, qui ressemble. Donc, je ne sais pas. Quand j'enlève la luminosité entièrement, voilà. C'est pas terrible, mais ça a quand même le mérite d'être là. Donc, on dirait un vieux monsieur avec plus de beaucoup de cheveux en haut, là, mais bon. Mais comment conçoit-on une machine pour visualiser les esprits ? La réponse est à peine croyable. Les plans de la machine auraient été dictés par les esprits des morts eux-mêmes. En effet, certains détails techniques nécessaires à la bonne réalisation aurait été transmis par une méthode de spiritisme très étonnante. Joël Hury a accepté que nous assistions au même type d'expérience. Le groupe va entrer en contact avec des morts par une séance d'écriture automatique.
Le principe est simple. Après les avoir appelés, le médium de la séance entre dans une sorte de transe. Moi, en fin de compte, je m'endors. C'est un état de conscience modifié, ou un état alpha, ou un état océanique, comme certains aiment l'appeler. Je me plonge dans cet état-là, plus ou moins facilement, tout dépend de mon état physique, tout dépend de mon état émotionnel. Et au bout de soit 10 minutes, ou des fois peut-être une demi-heure, tout dépend, là, je m'endors, et à ce moment-là, intervient le phénomène de l'écriture. Selon Joël Hury, les entités profiteraient de cet état de transe pour s'emparer de sa main et faire passer leur message. Des entités qui le suivent depuis des années. Alors il y a un Eric, un Sébastopol, un Tardieu, un Gabriel. Il y a un autre qui s'appelle Virgile. Il est 21h30, la lumière est tamisée, les membres de l'IFRES sont concentrés. Joël peut invoquer les esprits et lancer la séance. Alors voilà, nous allons donc faire notre expérience d'écriture automatique, comme nous en avons l'habitude maintenant depuis de nombreuses années. Nous allons tenter l'expérience et essayer d'aller le plus loin possible dans celle-ci, en espérant que tout se passe admirablement bien. Maintenant, je vais me laisser aller à l'écriture. Au bout de 3 minutes à peine, Joël semble avoir complètement quitté son corps. Soudain, sa main s'empare du stylo. Il se met à écrire frénétiquement, sans que le médium n'ouvre une seule fois les yeux. À ses côtés, Laurie est chargée de réceptionner les feuilles et de déchiffrer l'écriture pour enfin lire le message des esprits qui sont entrés en contact avec le groupe. Mes amis, n'ayez pas peur de votre singularité. Les signes que nous vous envoyons pourront être décriés. Selon les membres de l'IFRES, c'est donc grâce à ces voix qu'ils ont pu construire la cellule de contact. Est-ce vraiment utile d'enregistrer les couleurs ? Ce soir, les membres de l'IFRES veulent savoir s'ils peuvent utiliser des caméras noir et blanc pour leurs expériences. La question est relativement simple. En revanche, la réponse dictée par l'esprit l'est beaucoup moins. La couleur n'est visible la plupart du temps que par des procédés optiques spéciaux. Vos yeux ne perçoivent qu'une faible largeur du spectre de couleurs possibles dans l'univers. Ce seraient donc les esprits eux-mêmes qui délivreraient chaque semaine leurs instructions. Mais bien évidemment, tout comme la technique des tables tournantes, l'écriture automatique fait débat. Si vous pensez que c'est l'esprit, moi je respecte votre croyance comme si vous me disiez que vous croyez en Dieu. Mais scientifiquement, je ne vais pas dire que vous avez raison de croire à l'esprit. Les polémiques, Joël Hury en a l'habitude. Elles lui importent peu. Depuis 10 ans, il préfère perfectionner ses expériences. Eh bien, plus la technique de communication évolue, plus elle devient pointue, plus elle devient sensible, plus on reçoit des interventions du monde spirituel qui sont de plus en plus probantes. Pour l'heure, l'IFRES ne sait pas à qui appartiennent les visages et que signifient les chiffres captés grâce à la cellule de contact. Les sceptiques, en revanche, ont une théorie. Pour eux, il s'agit d'un phénomène appelé pareidolie. C'est ce qui fait que nous voyons des formes dans les nuages. C'est ce qui fait que, je ne sais pas si ça vous est arrivé, moi quand j'étais enfant, ma nounou me disait « Regarde, dans la lune, il y a un monsieur qui porte une échelle sur son dos ». On voit son image. C'est le fameux test des taches d'encre qui est utilisé en psychologie. Jean-Michel Grandcyr, lui, connaît bien les travaux de l'IFRES. Il suit leur progression depuis des années pour son magazine Parascience. Et s'il s'y intéresse, ce n'est pas sans raison. À l'IFRES, il y a trop de visages, trop nets, vraiment nets, pour pouvoir dire qu'on a affaire à de la pareidolie. Est-ce que ce sont des défunts qui apparaissent ? Ça, c'est autre chose. À qui appartiennent ces visages ?
Pour le moment, les spirites du 21e siècle ne le savent pas encore. Le fait d'utiliser des caméras ou des enregistreurs pour tenter de capter l'image et le son des esprits, cela s'appelle de la transcommunication instrumentale. Apparue dans les années 70, cette technique s'est popularisée avec l'apparition des premiers magnétophones grand public. La forme la plus connue de la transcommunication instrumentale passe par le son. Le spirit se concentre, lance un appel et laisse tourner l'enregistrement. Si les esprits sont bien présents, les voix d'outre-tombe s'impriment alors sur la bande. À quoi ressemble la voix des morts et surtout quel type de message adresse-t-il aux vivants? Nous avons réussi à retrouver un homme qui en a fait l'expérience de manière très étonnante. Ni médium, ni spirit, Jean-Paul Sermonte est écrivain. Il a eu recours à la transcommunication après le décès de Pascal, sa fiancée, morte à 29 ans, des suites d'un arrêt cardiaque. C'était épouvantable. Le cerveau refusait de croire. Et puis quand les pompiers sont arrivés et qu'ils ont dit « mais il n'y a plus grand-chose à faire », ils ont quand même essayé. Et puis ils sont venus, ils m'ont dit « mais c'est vraiment fini ». Jean-Paul est fou de douleur. Il refuse d'admettre le départ de celle qu'il aime. Mais quelques jours après l'enterrement, son éditeur le met en contact avec une de ses auteurs, Monique Simonet. Ancienne institutrice et médium, elle est la pionnière de la transcommunication instrumentale en France. Et donc je crois que mon éditeur a dû lui parler, puisqu'elle m'a appelé aussitôt. Et elle m'a dit que je suis de tout cœur avec vous. Est-ce que vous voulez que je tente? J'ai dit oui, j'ai dit ça me ferait plaisir. Jean-Paul est tenté par l'aventure, mais il veut être sûr qu'il s'agit bien de sa fiancée. J'ai dit, la transcommunication, oui, mais à condition qu'il y ait une preuve, vraiment, d'abord que ce soit Pascal, d'abord que ce soit pas quelqu'un d'autre qui vienne me parler à sa place, même quelqu'un d'autre de l'autre côté. Hein. La veille de l'enregistrement, Jean-Paul a une idée. Il va établir un code avec sa fiancée, sans rien dire à la médium. Ici même, dans cette pièce, j'ai prié Pascal. J'ai dit, Pascal, je ne sais pas si tu m'entends, mais si tu m'entends, regarde, cette dame, Monique Simonet, va essayer d'entrer en communication avec toi. Mais je veux qu'il y ait un mot de passe entre nous. Je veux être certain que ce soit toi, que ce ne soit pas ni une tricherie, ni quelqu'un de l'au-delà qui parle à ta place. Et voilà, si tu me parles de chat, puisqu'elle adorait les chats, je dis, si tu me parles de chat, je saurai que c'est toi. La médium est à Reims. Jean-Paul vit à Paris. 300 kilomètres les séparent lorsqu'elle lance son appel à l'esprit de la jeune femme décédée. Pascal, est-ce que vous êtes là? Est-ce que ça va mieux, Pascal? Pouvez-vous dire quelque chose pour Jean-Paul? Quelques jours plus tard, Jean-Paul reçoit l'enregistrement par la poste. La médium lui a envoyé l'intégralité de la séance, entrecoupée de ses propres observations. Et ce qu'il va entendre va définitivement bousculer ses certitudes. Ça va, Pascal? Vous êtes bien? La médium est surprise. Quelque chose de bizarre, je dis Pascal, vous êtes bien? Et il y a une voix qui dit miaou. Je ne sais pas, peut-être c'était un jeu entre vous. On ne sait jamais, ça pourrait avoir un sens pour vous. À partir de ce moment-là, je me suis dit, pour moi, l'au-delà existe. Parce que ça ne peut être... Il n'y a pas d'autre explication. La transcommunication, c'est... Moi, je pense que c'est ce qui m'a sauvé de la dépression nerveuse. C'était il y a 25 ans. Un simple miaulement, enregistré de manière inexplicable, a aidé Jean-Paul à traverser l'épreuve. Et depuis, il vit avec la certitude de retrouver un jour celle qu'il a aimée. Contacter les morts, leur faire un signe dans l'au-delà, parvenir à leur parler, pouvoir écouter leur voix, pour ceux qui y croient, tout semble possible grâce à ces techniques de communication par enregistrement. L'une des vertus est d'ailleurs d'accompagner dans leur souffrance les personnes en deuil. Monique et Jean-Jacques Blangarin l'ont bien compris. Ils dirigent l'association Infinitude, qui utilise la transcommunication instrumentale, ou TCI, pour accompagner les familles en deuil. Alors, l'aide aux personnes en deuil, ça veut dire
le suivi, bien sûr, de ces personnes-là, et puis le réconfort qu'on peut leur apporter, mais surtout aussi la preuve que l'on pourrait leur apporter que la vie continue après et que leur être cher n'est pas complètement disparu. Et c'est là où nous utilisons la transcommunication instrumentale. Reconnu dans le milieu du spiritisme depuis 20 ans, Jacques et son épouse agissent totalement bénévolement auprès des personnes endeuillées. Ils ont accepté de nous faire écouter quelques-unes des paroles qui auraient été prononcées par des défunts et qu'ils ont recueillies. La voix est assez peu audible. Il nous est difficile de comprendre ce qu'elle dit. Jacques décide de nous venir en aide. Moi, là, je vais vous le dire, là. Parce qu'en fait, c'est un chuchotement fort. Hein. Je vais vous le dire, moi, avec ma voix éraillée, là. On est là, mais c'est pas un miracle, là. À force d'écouter l'enregistrement, on peut effectivement entendre cette phrase. Mais comment savoir si ce n'est pas une illusion auditive ou tout simplement de l'auto-persuasion ? Et c'est compliqué la transcommunication parce que quand les voix sont trop nettes, on va vous dire, bah oui, on a capté une radio, on a capté quelqu'un dans la pièce à côté qui parlait. Quand les voix sont pas assez nettes, on va dire, bah oui, des gens s'imaginent que c'est du paranormal alors qu'en réalité c'est de la mauvaise interprétation. Nous avons voulu savoir comment se déroulait une séance. Et dans quelles conditions les voix étaient capturées. Monique et Jacques ont accepté de nous en faire la démonstration. Nous avons un magnétophone ici, équipé d'une cassette audio et un micro associé ici. C'est suffisant comme matériel pour pratiquer de base la TCI. Jacques et Monique ont décidé d'appeler un esprit auquel ils ont souvent affaire lors de leur séance, un certain Daniel. Alors, on ne le connaît pas. Il s'est prénommé une fois Daniel, donc on a pris l'habitude de lui demander son concours. Et là, on va donc maintenant lui demander à Daniel, est-ce qu'il est présent avec nous ? L'appel est lancé, l'enregistrement déclenché. Jacques provoque alors un étrange bruit de fond avec un crayon de papier. Ils ont besoin d'un bruit de fond. En fait, ils ont besoin de fréquences particulières. Des fréquences qu'ils vont pouvoir manipuler pour générer leur message. L'enregistrement n'aura duré qu'une vingtaine de secondes. Jacques et Monique sont-ils entrés en contact avec des esprits ? Ils n'ont plus qu'à repasser la bande. Il faut vraiment écouter très, très concentré. Et moi, j'entends, c'est un souffle. Ça va plutôt bien. Ça va plutôt bien. Cette fois encore, le résultat est à l'appréciation de chacun. Et peut-être faut-il commencer à croire à l'existence des esprits pour accepter qu'ils puissent nous parler et qu'on puisse les entendre. Mais certaines personnes, comme Véronique, n'ont pas choisi d'être en contact avec des spectres. Puis quand je l'ai vu, j'en avais la chair de poule. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Heureusement pour elle, des spécialistes, des chasseurs de fantômes vont intervenir. Voilà, vous voulez ouvrir le contact ? Oui, encore plus, voilà. Nous allons suivre une traque durant une nuit dans le château hanté de Fougeray. Un château bien mystérieux. Il y a quelqu'un là-haut, vous entendez ? Fantômes, spectres, qui sont ces entités de l'au-delà qui viennent parfois terroriser les vivants ? Et pourquoi se montrent-ils ? Depuis 150 ans, avec le spiritisme ou ce qu'on appelle la transcommunication instrumentale, on tente d'établir le contact avec les morts. Pour apaiser les douleurs d'un deuil, comme pour bâtir des machines étranges qui permettraient de photographier des esprits. S'il y a ceux qui cherchent à communiquer à tout prix avec les morts, il y a aussi ceux qui s'en passeraient bien volontiers, car le monde des spectres peut s'avérer terrifiant.
Au cours de notre enquête, nous avons découvert des fantômes très célèbres, comme celui de la Dame Blanche, un fantôme féminin qui aime se montrer aux vivants et que l'on retrouve à chaque époque, aux abords des châteaux ou marchant le long des routes. Qui a vraiment vu cette Dame Blanche? Est-ce un mythe? N'est-elle qu'une légende? Pascal Catala, psychologue et membre de l'Institut Métapsychique International, connaît bien le phénomène. Elle a dédié un chapitre entier aux Dames Blanches dans son ouvrage « Apparitions et maisons hantées ». À l'origine, en fait, les Dames Blanches, c'était des esprits tutélaires des familles allemandes et qui arrivaient pour annoncer les morts, les naissances. En fait, elles étaient annonciatrices. Et ce thème mythique ressort dans les autostoppeuses fantômes. L'autostoppeuse fantôme, c'est la version moderne de la Dame Blanche. Dans les années 80, à Palavas, près de Montpellier, quatre jeunes gens âgés de 17 à 25 ans l'auraient aperçue en rentrant de la plage. À l'époque, ces jeunes ne connaissent pas ce qui est souvent considéré comme une légende urbaine. L'histoire de cette femme qui aurait trouvé une mort prématurée et dont le spectre hanterait les routes. Yves Lignon, spécialiste rationnel de l'étrange, s'est particulièrement intéressé à la Dame Blanche de Palavas, à cause d'un détail bien précis. Quand on va passer la journée sur la plage, on rentre tard. On rentre à la nuit tombée. Donc les deux gars devant, les deux filles derrière, dans une voiture à deux portières seulement, c'est un détail intéressant, rentrent. Et ils voient une personne en blanc, près d'un carrefour qui fait signe qu'il a l'air de faire du stop. La voiture s'arrête juste avant ce pont pour faire monter l'autostoppeuse, une femme d'une cinquantaine d'années. Et c'est là qu'on rentre dans le bizarre. Parce que pour toutes les histoires de ce même type, de ce type, quand après vous demandez aux gens, alors une dame en blanc, mais qu'est-ce que ça veut dire? Elle était habillée en blanc, est-ce qu'elle portait un survêtement? Est-ce qu'elle portait une robe de mariée? Les témoins sont incapables de donner des détails vestimentaires. Ils vous disent qu'elle était en blanc. Selon le témoignage des jeunes gens, très vite, un climat de malaise se serait installé dans la voiture. Il faut dire que l'étrange passagère ne répond pas à leurs questions. Elle ne va rompre le silence que pour les mettre en garde. Attention. Et ce n'est pas tout. Quelques instants plus tard, un événement encore plus étrange frappe la voiture. Sitôt après, elle disparaît, elle n'est plus dans la voiture. Et dans l'affaire de Montpellier, ce qui est intéressant, justement, c'est que c'est une voiture à deux portières seulement. Difficile dans ces conditions de sauter de la voiture en marche sans que personne ne s'en aperçoive. Mais peut-on croire une telle histoire? Même Yves Lignon, souvent très sceptique, est persuadé que les jeunes gens ont dit vrai. Ce qui leur rend crédible, c'est qu'ils se sont précipités au commissariat. Parce que s'il y a une profession dans la Terre et même ailleurs, dans laquelle on n'aime pas être victime de mauvaises blagues, c'est vraiment la police. En général, quand on voit des gens arriver qui sont complètement paniqués, que leur histoire se tient, les témoignages se corroborent, on peut penser qu'il y a eu quand même quelque chose d'objectif à la base. Leur témoignage semble d'autant plus crédible que ces jeunes gens n'avaient aucune raison de mentir. Leur motivation ne semble pas non plus être l'argent ou la recherche de notoriété. Ils en ont parlé eux-mêmes, les témoins, à leur entourage, mais pas plus. Et donc il y a eu un petit effet tache d'huile, mais vraiment pas énorme. Et quand la presse est arrivée, ils ont dit non. Nous avons tenté de retrouver les protagonistes de cette étrange histoire. Mais après l'affaire, ils se seraient murés dans le silence. Mais nous avons retrouvé un homme qui a parlé de ce récit avec les jeunes gens. Vincent Melgozo était étudiant en psychologie à l'époque et collaborait aux recherches d'Yves Lignon. C'est dans ce cadre qu'il a rencontré deux des quatre passagers. C'était des jeunes parfaitement équilibrés qui étaient un tout petit peu effrayés par l'ampleur que prenait cette affaire sur laquelle ils s'étaient déjà exprimés vis-à-vis des policiers et ils ne voyaient pas que dire d'autre. En fait, ils pensaient pouvoir, à travers un entretien avec des personnes qui étaient habituées de ce type d'événement, pouvoir trouver une explication.
Que s'est-il vraiment passé ce soir-là dans la voiture? Qu'est-ce que les jeunes gens ont vu très exactement? Eux seuls le savent. Vincent Melgozzo non plus ne met pas en doute leur sincérité. Quand une personne en recherche de reconnaissance affabule, elle monte un scénario qui, à bien des égards, est excessif. Ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. Ces deux jeunes sont restés relativement modestes, relativement mesurés. Ils ne cherchaient pas la notoriété, ils ne cherchaient pas à faire croire quelque chose d'incroyable. Ils étaient dans la sincérité et dans l'incompréhension. Reste une dernière hypothèse. Le petit groupe aurait pu boire de l'alcool ou prendre des stupéfiants. L'apparition de la Dame Blanche serait-elle alors une simple hallucination collective ? Non, ce n'est pas une hallucination collective, parce que l'hallucination collective, ça n'existe pas. Ça, on le sait depuis longtemps, il n'y a pas d'hallucination collective. L'idée que tout le monde, plusieurs personnes puissent voir la même chose en même temps, non, ça ne tient pas la route, c'est le cas de le dire. Donc effectivement, peut-être que sur la plage, ils ont fumé autre chose que des cigarettes, moi je n'en sais rien. Ça paraît peu probable, parce que là aussi, en arrivant à la police, on s'en serait aperçu qu'ils étaient un peu à côté de leur pompe. Quoi qu'il en soit dans cette affaire, la police n'a pas ouvert d'enquête. Et le mystère de l'autostoppeuse de Palavas demeure entier. Comme nous l'avons constaté durant notre enquête, de nombreuses personnes cherchent à résoudre ce genre de mystère. Des associations, des groupes de chasseurs de fantômes mènent des enquêtes très poussées. Nous avons contacté l'un d'entre eux. Rendez-vous à Mont-Saint-Martin, en Lorraine. L'association Ghost Activity réunit des passionnés de phénomènes paranormaux. Leur spécialité ? La traque des spectres, un peu partout en France. Laurent Azzeri est médium. C'est lui qui appelle les esprits pour qu'ils se manifestent. Ici, on se trouve dans l'endroit où on se réunit, justement, quand on revient de nos traques, pour pouvoir faire nos analyses. Aujourd'hui, Laurent a réuni Nasser et David, ses équipiers. Les deux hommes sont techniciens du son de métier. Ensemble, ils épluchent les vidéos de leur dernière chasse aux fantômes. Et cette boule de lumière vient se promener autour de lui. C'est assez étrange. Durant une nuit entière, l'association a posé ses caméras chez des particuliers persuadés d'habiter une ferme hantée. À première vue, les images semblent confirmer leur dire. Elles montrent la présence d'orbes, d'étranges taches de lumière invisibles à l'œil nu. Et nous, à ce moment-là, on appelle ces orbes pour voir s'ils sont un peu intelligents et on leur demande de venir nous rejoindre. Donc Michel va se mettre face au lit, tu vois. On a cette boule de lumière qui vient autour de nous. Quelle est la nature de ces orbes? Impossible de le savoir et visiblement, il ne s'agit pas d'insectes. On avait quand même pour faire un petit rappel, gazer la pièce pour pas qu'il y ait d'insectes, hein, avec mon anti-mouche. Reste l'explication la plus plausible, à savoir de simples particules de poussière. Mais Laurent le médium a une autre théorie. Après agrandissement, ces boules de lumière renfermeraient de mystérieux visages. Le nez, la bouche, les yeux. Les yeux comme ça. Là. Un visage ou une illusion d'optique ? Impossible de le savoir. Mais l'équipe a autre chose à nous montrer. Ou plutôt, à nous faire entendre. Ah oui, j'ai une voix d'enfant qui est assez intéressante, là, que je voudrais vous faire écouter. Bonjour. C'est une voix d'enfant qui nous dit bonjour. Cette étonnante petite voix a été enregistrée par l'équipe une nuit de traque aux alentours de 4 heures du matin. Il n'y avait pas d'enfant, hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Parce que c'est dans les bois. Hein. Dans ces conditions, difficile d'expliquer d'où vient ce bonjour. Et il y a plus troublant. Une seconde voix, moins audible, se serait superposée sur la bande. Mais en dehors de la voix, c'est quoi ? Quel est le message que vous entendez de la technique, là ?
C'est difficile à dire. Parce qu'on voit qu'il y a un changement de hauteur de son. Hein. Le son, c'est le métier de Nasser et David. Or, cette deuxième voix, les deux hommes l'entendent également. En revanche, c'est sur le contenu du message que les avis divergent. Moi, je dirais plus si quelqu'un m'entend. Sur certaines enquêtes qu'on a travaillées, et il s'avère quand même qu'il y a beaucoup de photos, beaucoup de vidéos avec des choses flagrantes qui nous sautent aux yeux. Et comme moi, dans l'équipe, je travaille au niveau du son, j'entends beaucoup de choses et ça donne à réfléchir, effectivement. Étant sur place, je peux voir en fin de compte si c'est pas un canular, s'il n'y a pas de trucage. Puisque là, je peux dire oui, effectivement, oui, ça s'est réellement passé. J'étais présent. Avec l'équipe de spécialistes de Ghost Activity, nous avons décidé de mener une expérience à Fougeray, ce château qui serait hanté par une jeune femme morte prématurément dans les années 20. Depuis 2009, la nouvelle propriétaire a été confrontée à d'étranges phénomènes. Sur des photos prises au château, de terrifiants visages de spectres apparaissent. À plusieurs reprises, Véronique a tenté de vendre le château, mais la réputation du lieu décourage tout acheteur. Même les gens les plus terre à terre, les plus rationnels, si on leur dit tu vas acheter cette maison, mais attention, on dit que c'est hanté, moi je suis désolée, les gens ça les fait reculer quoi. Le château de Fougeray est-il vraiment le théâtre d'événements paranormaux? Les morts viennent-ils hanter les vivants? Les spécialistes de l'équipe de Ghost Activity vont peut-être pouvoir donner une réponse. Ouais, c'est pas mal. Joli château. Jolie pièce. Très jolie pièce. Enchanté de faire votre connaissance et merci de nous recevoir. Laurent et son équipe vont passer la nuit à Fougeray pour mener leur traque. Mais avant leur installation, Véronique tient à leur faire le tour du propriétaire. Et ça commence avec le plus impressionnant, la crypte. Alors en fait, là on est dans les premières cryptes, là on est vraiment dans le Fougeray médiéval. Donc on a deux sarcophages, un ici qui a été vidé au 19e. L'intérieur du sarcophage est vide, mais Laurent, le médium du groupe, semble ressentir quelque chose. Parce que là, dans le sarcophage, tu sens quelque chose? J'ai un animal aussi. Vous n'avez pas trouvé d'ossements animaux? En bas. Ouais. En réalité, la crypte descend jusqu'à 18 mètres sous terre. Et peut-être plus bas encore. Il semblerait en effet que ce passage ait été remblayé. Il y a une deuxième pièce. Le fait qu'ils aient... rebouché, parce que pour moi ça, ils sont descendus, quelqu'un est descendu il y a très longtemps, que ça a été rebouché, c'est aussi certainement pour cacher certaines traces de choses qui se sont passées ici. Laurent a bien l'intention de revenir explorer cette crypte un peu plus tard, mais la visite n'est pas finie. Véronique a choisi les pièces les plus chargées d'histoire, comme l'ancienne salle des maîtres, par exemple. En fait, cette chambre aurait dû être celle de Véronique, mais elle n'a jamais pu y dormir. Bah là, on a eu des trucs assez marrants, mais je ne vous en dis pas plus. Moi, je pense qu'ici, il y a des choses. Oui. Pour ne pas influencer l'équipe, Véronique ne veut pas leur révéler l'histoire de cette chambre, une histoire particulièrement tragique. Il y a eu plein de fausses couches d'enfants morts, de choses comme ça, un peu glauques, je trouve. Alors qu'il n'entend pas Véronique, Laurent semble justement ressentir une présence. D'enfants morts-nés, choses un peu... On a des pépés. C'est bizarre dans ma tête, ça court les gosses. Ouais, il y a... Laurent et son équipe ont une nuit devant eux pour savoir si cette pièce est réellement hantée et par qui. Les chasseurs de fantômes commencent à s'installer.
Ok, dictaphone, caméra, tout est là, c'est bon. Ces passionnés de l'étrange agissent généralement à la demande de propriétaires de lieux hantés, et ce, toujours bénévolement. Ce qui ne les empêche pas de disposer d'un matériel professionnel. On a un peu de toutes sortes. Hein, on a de la caméra, micro, enregistreur. On a vraiment une panoplie complète. Cet impressionnant dispositif sert à piéger le château. Il s'agit de poser des caméras et des micros aux endroits stratégiques, c'est-à-dire là où le médium du groupe a senti des présences. Nous, on est là pour essayer de capturer la moindre image, la moindre donc, photo, vidéo et le moindre son donc, qui pourrait se passer dans le château. Il est près de 23 heures. Après la visite des lieux, Laurent et son équipe finalisent leur installation. Avant chaque traque, il faut vérifier le matériel, un arsenal extrêmement sophistiqué pour piéger des spectres. Il marche. Et quoi de prochain ? Ça, c'est les draps, ça, c'est les caméras. Il y a des caméras. Ok. Alors là, on a une alarme à déclenchement de mouvement, qui est simple. Hein. S'il y a quoi que ce soit qui passe dans la pièce, elle va gueuler. Ici, on en a plusieurs. Ce sont des lasers qui vont permettre de faire des barrages dans une pièce sur laquelle on va mettre des caméras. Nous avons ici des caméras infrarouges avec une portée de 150 mètres qui vont être placées dans les cryptes et au deuxième étage. L'équipe de Ghost Activity a truffé le château d'alarmes, de caméras et de micros ultra sensibles. Mais au moment de faire les dernières vérifications, d'étranges soucis techniques apparaissent. Au rez-de-chaussée, David vient de signaler des parasites dans son casque. Non, j'ai toujours ce bourdonnement, hein. C'est gênant. Il pleut dehors, c'est pas ça qu'il entend ? Non, il y a... T'entends la pluie ? Je viens de changer les micros, et en fait, les micros sont impeccables, on a changé les câbles. J'essaie de mettre l'alarme en route, elle veut pas fonctionner, tu vois. Pour Laurent, ces problèmes techniques ne sont pas liés au hasard. Dans le couloir, il a senti la présence d'entités, des esprits d'enfants morts. Bon, on a des problèmes techniques, mais ça arrive souvent parce que... Ou on a une énergie qui nous bouffe nos piles, ou bien on nous dérègle les appareils pour nous embêter. Mais bon, moi je leur demande l'autorisation de me faire fonctionner le matériel, puisqu'on est là pour... puisqu'il semblerait qu'ils habitent les lieux. Laurent pense qu'une activité paranormale dérègle le matériel. Il veut la mettre en évidence. Il va donc utiliser une méthode assez inattendue. S'il y a quelqu'un dans le couloir, là, chargez-vous d'absorber... de placer votre énergie dans l'eau. Un des vapeurs d'eau. À l'aide d'un vaporisateur d'eau minérale, Laurent crée une brume que David va littéralement mitrailler. Ils espèrent ainsi capter des visages ou des silhouettes d'enfants. Une technique régulièrement utilisée par les spirites. Ouh, les enfants, on est encore un petit peu avec vous là. Si vous voulez utiliser... Vas-y. On y va ? Attends, laisse descendre l'eau. Faut voir sur le grand écran, oui. On a fait une petite séquence vidéo pour voir si effectivement, dans cette vapeur d'eau, on a quelque chose qui apparaît. On va donc fouiller. Si on arrive à fixer quelque chose, donc. Voilà, on va donc fouiller. Cette brume d'eau. Cette brume d'eau qui était donc alimentée par une lampe infrarouge. Mais pour l'heure, Laurent et David n'ont pas le temps d'éplucher les photos. L'installation n'est pas finie. Il faut encore équiper la crypte avec un téléviseur et une caméra. On la mettra en route et comme il y aura, on va dire, de la neige qui va apparaître uniquement sur la télé, voir si il y a un visage ou des choses qui se passent donc, sur cet écran. On va laisser une caméra en fixe dessus. Ce que veut faire David, c'est une version vidéo de la transcommunication instrumentale. La caméra va filmer en continu la neige sur l'écran. Au terme de la traque, l'équipe devra décortiquer la cassette image par image. Si quelqu'un se trouve ici, ben, qu'il utilise la télévision
pour nous faire un signe. Hein. Allez, go. On va éteindre les lumières. Laissez tourner la machine. Il est minuit. Le dispositif est enfin en place. Laurent et une partie de l'équipe réalisent des enregistrements à l'étage, pendant qu'au rez-de-chaussée, Nasser récupère les images et les sons. Manifeste-toi. Je suis en train de regarder éventuellement toutes les images qu'on a récupérées tout à l'heure, notamment les vidéos. Et par la même occasion, je reste à l'écoute de tout ce qui se passe dans les pièces qu'on a piégées avec les micros. L'équipe n'aura pas à attendre bien longtemps. À peine installés, les micros du premier étage enregistrent d'étranges craquements. Il y a rien qui joue là-haut. Non, mais les. Il y a quelqu'un là-haut, c'est pas. Vous entendez ? Tout le monde est descendu ? C'est pas un bruit extérieur, c'est un bruit intérieur, c'est ça. Intérieur. Regarde. C'est comme si quelqu'un tapait quelque chose. Cette nuit, Véronique et son mari vont peut-être avoir des réponses à leurs angoisses. T'entends ? De son côté, Laurent est persuadé que ces bruits sont des bruits de pas. Mais pour en avoir la certitude, il veut leur avis. Vous allez entendre vraiment. C'est au fond, vraiment loin, on entend un. J'ai entendu. Oh, j'ai entendu. T'as entendu ? Ah ouais, non, moi ça m'effraie. Mais je veux dire, c'est quand même hallucinant, quoi. Ça tape. Et ça n'a rien à voir avec du bois qui. Ah, tiens. Ça n'a rien à voir avec du bois qui craque. Allô, vous m'entendez ? Oui, oui, t'entends, c'est sûr. L'équipe va passer à l'action. Laurent le médium veut tenter un appel aux esprits dans la chambre d'où proviennent les craquements. Ouais, cadeau, on va le laisser poser ici, allez. Le K2, c'est un appareil qui détecte les ondes magnétiques, comme celle d'un micro-ondes, d'un téléphone portable ou d'une présence spectrale. Si on a un esprit qui est dans la maison ou qui vient nous rejoindre, le K2 va monter, la petite lumière verte va monter dans le rouge. Là, tu vois, ça vient de monter, là. Voilà, montez. Voilà, vous voulez ouvrir le contact? Oui, encore plus, voilà. Laurent a senti la présence d'enfants dans cette pièce. C'est donc à eux qu'il va s'adresser. Pour être sûr de ne pas perturber les appareils de détection, les portables sont coupés. Et on est là pour ouvrir le dialogue. Est-ce que tu es content qu'on soit avec toi ce soir? Si oui, tu peux nous faire un signe, nous parler. Et David va nous dire si tu nous parles. Malgré l'invitation de Laurent, les voyants des appareils restent obstinément verts. L'équipe va donc tenter une autre pièce, la chambre des maîtres. Et à leur grande surprise, les K2 s'affolent. C'est ce que nous voyons sur les images de la caméra témoin portée par Laurent. Dès qu'on a demandé si on pouvait venir ici, on a eu une réaction, tous les appareils se sont affolés. C'est étrange. Bon. Cette étonnante manifestation n'aura duré qu'une fraction de seconde. Et puisqu'elle s'est arrêtée au moment précis où nous sommes entrés dans la pièce, Laurent est persuadé que la présence de nos caméras perturbe l'expérience. Bon, bah. Donc, c'est ça, c'est le fait qu'il y ait cette turbulence. Vous voulez plus de calme pour parler ? Réagissez, vous pouvez le faire. Voyez le K2 ici. Ou celui-ci, vous pouvez le déclencher aussi, vous l'avez fait il y a 2 secondes. Est-ce nos caméras qui font fuir les entités ? Y a-t-il vraiment des fantômes à Fougeray ? Au petit matin, Laurent et son équipe auront engrangé des heures et des heures d'enregistrement. Il leur faudra de longues semaines pour les passer au crible. Un travail titanesque pour peut-être apporter des réponses. En attendant, nous nous sommes demandé si par le passé, d'autres personnes avaient réussi à obtenir des preuves de l'existence des spectres. Des fantômes, des ectoplasmes, Internet en regorge. Seulement, on sait aujourd'hui que la plupart des photos ont été grossièrement truquées. Pourtant, une expérience a attiré notre attention. Elle a été tentée à Paris, il y a près d'un siècle, avec un médium polonais très impressionnant. Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à Paris, où existe une fondation très sérieuse réunissant chercheurs et psychologues autour du paranormal.
C'est l'IMI, Institut Métapsychique International. L'Institut a été créé en 1919 par des scientifiques de renom. Ils vont se pencher sur la dernière toccade des salons parisiens, les phénomènes spirites, très en vogue après la guerre. Mario Varvoglis est chercheur en sciences cognitives. Il est président de l'IMI depuis 10 ans. La mission, quelque part, c'était de faire des investigations, de faire des recherches sur les phénomènes associés au spiritisme, mais sans forcément avoir les croyances ou les convictions qui sont associées. Deux illustres scientifiques de l'IMI, Gelé et Richet, ont entendu parler d'un homme hors du commun. Le Polonais Franek Kluski, un médium qui aurait déjà été capable de faire apparaître des esprits. Ils l'ont invité à Paris et ils ont mis en place un protocole inspiré des protocoles précédents, enfin qui étaient déjà en place, mais ils l'ont perfectionné. Et ce qui les intéressait, c'est de produire un objet qui donner en soi preuve de l'existence d'un phénomène paranormal. En réalité, Richet et Gelé sont persuadés que le médium triche et ils veulent le confondre. Ils vont alors mettre en place un protocole ultra strict. Dans une pièce tamisée, les deux savants réunissent le médium, des volontaires et un huissier. But de l'opération, pratiquer une séance de spiritisme, mais sous contrôle d'un homme de loi. Le docteur Gelé d'un côté et le docteur Richet de l'autre côté tenaient les mains de cette médium Kluski. Et ils donnaient des rapports constamment aux scribes pour assurer qu'ils ont toujours les mains et que c'est bien les mains de Kluski qu'ils ont en main eux-mêmes. Au milieu du cercle, les deux scientifiques ont mis en place un dispositif étrange, un bac d'eau bouillante recouvert d'une couche de paraffine fondue, pour tenter de capturer un esprit. La demande, ce qu'il était censé faire, M. Kluski, c'était d'abord d'inviter, si on peut dire, ces esprits, ou ce qu'on peut nous dire, et de diriger cet ectoplasme, cette substance immatérielle presque, le diriger vers le bac, de le faire plonger dans le bac plusieurs fois. Ce qui va se passer lors de cette séance, ni les scientifiques, ni l'huissier n'ont jamais pu l'expliquer. Après avoir lancé un appel aux esprits, Kluski rentre dans un état proche du sommeil. Il est parfaitement immobile. Mais dans la pièce apparaissent soudain d'étranges boules de lumière diffuses, d'une nature indéterminée. Parfois, ces lumières prenaient forme et ils prenaient la forme d'une main moitié visible, moitié invisible et parfois d'une main complètement formée. Les deux médecins demandent alors au médium, toujours immobile, de bien vouloir diriger ses mains ectoplasmiques dans le bac de paraffine. À leur grande stupéfaction, les formes lumineuses s'exécutent et plongent à plusieurs reprises. Mais surtout, ce qu'ils attendaient après, c'était les bruits de cette main, on peut dire, qui plongeait dans l'eau, dans le bac avec les paraffines et l'eau. Et les scientifiques ne sont pas au bout de leur surprise. Non seulement les drôles de lumière plongent dans le bac, mais en plus, elles en ressortent toutes seules, sous la forme de moules de paraffine qui ont l'aspect de mains, avant de venir se poser sur les genoux des expérimentateurs. Je ne peux pas dire qu'on a une explication. Aucune explication. On a simplement un constat qui est basé sur des témoignages des personnes qui étaient quand même assez vigilantes et alertes et entraînées de chercher ce genre de phénomène et qui étaient, il faut savoir, ils étaient plus habitués à traquer les fraudes qu'à trouver les bons. L'expérience a été tentée à plusieurs reprises et à chaque fois, de nouvelles mains sont apparues. À la suite de ces séances, du plâtre a été coulé à l'intérieur des moules de paraffine. Les moulages de ces étranges mains venues de l'au-delà existent encore,
C'est dans un coffre-fort que l'Institut les conserve depuis près d'un siècle. Parce que là, on a des mains de taille adulte, on peut dire, très très bien formées. Et bien sûr, ils ont demandé dans certains cas que le fantôme, entre guillemets, hein, l'ectoplasme, prenne de forme, de position des mains qui sont relativement difficiles à reproduire aussi artificiellement. Pourrait-il y avoir un truc ? Imaginons par exemple que par un tour de passe-passe, Kluski ait réussi à se libérer sans que personne ne s'en aperçoive pour plonger ses mains dans la paraffine. Comment aurait-il fait ensuite pour sortir ses mains du liquide et se débarrasser du moule sans le briser ? D'autant qu'il y a un autre mystère de poids. Aucun des moulages réalisés ne correspond aux mains des expérimentateurs. Vous voyez là, encore une fois, très 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 fine. Et en tout cas, au niveau de taille, elle est extrêmement petite. C'est tellement impressionnant qu'on a du mal à croire. Donc au début, quand j'ai entendu parler de cela, ici à l'Institut, je disais, mais c'est de la mythologie. Ça, c'est... Soit c'était fabriqué, soit c'était une fraude, mais ça, c'est absolument pas possible. Depuis un siècle, les membres de l'IMI se relaient pour régulièrement éplucher les rapports de l'huissier, sans comprendre comment un tel phénomène s'est produit. Et actuellement, la question se pose encore. Chaque hypothèse que j'avais pour comment ça pourrait être le produit d'une fraude, chaque fois, j'ai tombé sur un mur. Et donc, j'ai fini par dire, c'est impossible que c'était produit par fraude, sauf il y a une seule sortie, et cette sortie, c'était si les exploitateurs faisaient partie de la fraude. Les scientifiques Gelais et Richet auraient-ils triché ? Impossible à savoir, d'autant que l'expérience n'a jamais pu être renouvelée. Imposteur ou véritable médium, Kluski semble bien avoir été unique en son genre. Peut-on vraiment voir des spectres, des esprits ? Et pourquoi se laissent-ils photographier ou enregistrer ? Après leur chasse aux fantômes au château de Fougeray, les spécialistes du paranormal vont enfin nous donner les résultats de leur traque. Pour les rafales de photos, effectivement, on a quelque chose d'assez étrange. Et nous allons également découvrir que ces phénomènes étranges et terrifiants ont parfois une explication très étonnante. Étonnante de simplicité. Pour moi, c'est inexpliqué. J'aimerais bien qu'on me l'explique. Qu'on les appelle spirites ou médiums, ils disent communiquer avec les morts et dialoguer avec les esprits. Mais comment peuvent-ils être sûrs que ces signes paranormaux leur sont bien adressés par des fantômes ? Comment expliquer ces phénomènes étranges qui parfois terrifient les vivants ? 3 semaines ont passé après la traque des fantômes du château de Fougeray. L'équipe de Ghost Activity a fini d'éplucher les 12 heures d'enregistrement vidéo et audio pris sur place. Ils nous proposent de découvrir le résultat. Souvenez-vous, ce soir-là, l'équipe avait entendu des bruits de pas à l'étage supérieur du château alors que tout le monde était en bas. Un phénomène étrange et dont l'explication n'a pas été simple à trouver. Donc on a cherché pendant des heures et des heures d'où pouvaient venir ces bruits. Est-ce que c'est un spectre qui courait dans le couloir ou est-ce que c'était simplement quelque chose d'explicable? Et là, on a découvert, et on peut le voir, on peut le voir ici, donc, hein, au-dessus de nous, cette bassine qui était là pour recevoir l'eau qui coulait du toit. Effectivement, quand il pleuvait, ben, on avait des gouttes à gouttes. Exactement. Et des fois, même une succession de gouttes qui fait penser... Qui nous laisse penser, effectivement, que... Avec, étant donné que la pièce n'est pas forcément remplie d'objets qui absorbent le son, du coup, il y a une certaine résonance qui parcourt le couloir et ça donne l'impression de... D'entendre quelqu'un qui court. Donc pour vous... C'est pas un bruit extérieur, c'est un bruit intérieur, ça. Intérieur. Regarde. C'est comme si quelqu'un tapait quelque chose d'autre chose. Si une simple infiltration d'eau suffit à semer le trouble, on pourrait penser que le château n'est tout simplement pas hanté. Mais cette nuit-là, l'équipe a pris des centaines et des centaines de photos. Selon Laurent, certaines d'entre elles révèlent une présence paranormale.
Sur les rafales de photos, effectivement, on a quelque chose d'assez étrange. Si j'agrandis, ou comme on peut le voir, donc ici, on a une forme un peu bizarre qui apparaît, et une deuxième qui est plus légère à ce niveau-là. Pour obtenir ce cliché, Laurent avait bombardé de la vapeur d'eau dans le couloir. Des visages apparaîtraient dans ce nuage de gouttelettes en suspension. Comme à chaque fois, si certains y croient, pour d'autres, c'est un simple effet d'optique. En revanche, à l'extérieur du château, l'équipe aurait capturé un autre visage. Un peu plus net cette fois, et sans aucune intervention préalable. Ça, c'était à 4 heures du matin. On était avec David, le deuxième, avec Fred, le caméraman. On a fait le tour du château. Et comme on peut le voir ici à la fenêtre, on a un visage. Donc ce visage, il apparaît, on dirait un homme, un peu barbu, etc. Et lui, il est là, il nous surveille. Est-ce un visage spectral ou simplement un reflet ? À chacun sa conviction. Laurent, lui, a la sienne. Le château serait bel et bien hanté. Pour preuve, sa tentative de contact dans une des chambres du château aurait été suivie d'effets inexplicables. Voilà, les appareils se déclenchent, et là on a comme des jets de lumière qui arrivent sur le lit. Les appareils déclenchent, et hop, on a comme un champ électromagnétique d'énergie qui viennent juste après le K2. Le bilan de Ghost Activity oscille donc entre explications rationnelles et phénomènes étranges. Une chose est sûre, en revanche, Fougeret n'aura pas révélé tous ses secrets cette nuit-là. Difficile de ne pas être perplexe et de ne pas s'interroger. Existe-t-il des lieux où des manifestations paranormales sont visibles à l'œil nu sans ambiguïté possible ? De retour à la rédaction, nous avons cherché s'il existait au moins un cas en France. La réponse vient de notre spécialiste Yves Lignon. Il y a une quarantaine d'années, il a travaillé sur une affaire troublante. Quand j'ai eu connaissance du dossier, c'était en 1976, et les phénomènes dataient de 3 ans. Et ce dossier, il avait avant tout été constitué par la brigade de gendarmerie locale. Et dans cette affaire-là, la brigade de gendarmerie a fait un travail d'une qualité scientifique exceptionnelle. Nous sommes en 1973, à quelques kilomètres de Nevers, dans la Nièvre. La Machine est alors une petite ville minière sans histoire. Mais au mois de novembre de cette même année, un événement incroyable va mobiliser les effectifs de la gendarmerie locale. Dans cette commune, il existe encore des maisons ouvrières qui sont des maisons de plein pied et qu'on a divisées en 2 appartements. Il y a une cloison donc qui sépare 2 appartements, l'un à droite, l'autre à gauche. Et dans cette cloison, on entendait des coups. Très vite, la rumeur commence à circuler en ville. La maison de la Russée de la cité ouvrière serait hantée. Des bruits étranges résonneraient chaque soir dans la cloison mitoyenne. Des coups qui serait capable de répondre aux questions de l'enfant de la famille. Que le garçon posait des questions et le mur répondait en tapant. À l'époque des faits, le gendarme Guibert est jeune brigadier à la Machine. C'est lui qui va prendre l'affaire en main. Aujourd'hui, il est âgé de 80 ans, mais il n'a pas oublié l'enquête la plus incroyable de sa carrière. C'est la seule affaire de ce type que j'ai eu à traiter. On a bien été obligé d'intervenir parce que l'ordre public commençait à se troubler, c'était à la limite. Hein. Il y avait trop de gens qui y allaient, c'était un défilé. Le soir, c'était 10-15 personnes qui attendaient pour entendre. Il hein. Faut se mettre à la place des gens, ils ont vécu, là, la famille Perrault hein, a vécu un moment vraiment difficile. Hein. Alerté par la rumeur, le gendarme Guibert décide alors de faire une visite de courtoisie à la famille pour constater la chose et chercher une éventuelle supercherie. J'ai 2 de mes gendarmes qui se sont transportés sur place et qui ont constaté que ça tapait. Le gosse interrogeait l'esprit. Esprit, es-tu là ? Tapait un coup, 2 coups. Les gendarmes ont vérifié, pas de branchement, pas de magnétophone, rien du tout. Ils ont vérifié de la cave au grenier. Un gendarme dans la chambre des parents
juste séparé par cette petite cloison, un dans la chambre du gamin et le gamin dans son lit. Désemparé par le phénomène, le jeune brigadier a alors l'idée d'enregistrer les séances de questions-réponses avec le mur. 20 ans plus tard, il a conservé précieusement les enregistrements. Non, ça, c'est le gamin. Esprit, es-tu là? Si tu es là, t'as deux coups. Est-ce que tu m'aimes? Si oui, t'as un coup. Est-ce que les gendarmes sont ici? Oui, si c'est oui, t'as un coup. Est-ce que tu as peur des gendarmes? Si oui, t'as deux coups. Quand le gamin sifflait une chanson à la mode de l'époque, hein, c'était il y a 40 ans, 41 ans, eh bien le mur battait la mesure pour l'accompagner. Écoute-moi bien. Les enquêteurs finissent par se rendre à l'évidence, non seulement il n'y a aucun trucage, mais en plus, le mur semble doué de clairvoyance. Pour tester cet esprit frappeur, le gendarme Guibert va même essayer de le piéger. J'ai posé diverses questions sur ma famille, sur le nombre d'enfants que j'avais, avec la précision du sexe, et donc j'ai eu des réponses exactes. Le nombre de gendarmes qu'il y avait à la gendarmerie de la Magine. Et ça, ça a tapé 6 coups. En principe, nous étions 4 à la brigade depuis déjà un certain temps et nous étions 6 depuis le matin même parce que j'avais reçu un renfort de 2 gendarmes mobiles de la brigade de Decize depuis le matin. Donc ça a tapé 6 coups. Personne ne savait que nous étions 6 ce jour-là. Comment un simple mur de briques peut-il avoir cette information ? Encore aujourd'hui, le gendarme Guibert s'interroge. D'autant que cet étrange dialogue ne durera que très peu de temps. Après un mois de tapage, le mur se taira définitivement, sans laisser aux enquêteurs le temps de percer le mystère. Du côté des parapsychologues, en revanche, ce type de phénomène est bien connu. Les Allemands lui ont même donné un nom, Poltergeist, ce qui signifie « esprit frappeur ». Ce sont des phénomènes, des mouvements d'objets pouvant aller jusqu'à des coups dans le mur. Donc vous voyez, je prends mouvement d'objet au sens très large. Parce qu'a priori, s'il y a des coups dans le mur, c'est qu'il y a quelque chose qui frappe. Pouvant aller jusqu'à ces bombardements de cailloux, je prends mouvement d'objet très large dans l'autre sens. Et qui se produisent dans des conditions qui déroutent la physique. C'est surtout des mouvements d'objets. Des objets qui se déplacent au sol, qui peuvent avoir des trajectoires complètement ahurissantes, en zigzag, se tourner à angle droit dans un couloir, des pots de fleurs qui volent dans la pièce. Difficile d'imaginer que des objets puissent se mouvoir seuls dans une pièce. Et pourtant, le cas le plus impressionnant de Poltergeist, c'est à Arc-Vatripon, en Belgique, que nous l'avons trouvé. En 1993, cette maison, située à quelques kilomètres du village, va devenir le théâtre d'événements qui vont défrayer la chronique et déchaîner la presse. Michel Van Bokenstal est président du CERPI, le Centre d'études et de recherche des phénomènes inexpliqués, en Belgique. Il s'apprête à publier un ouvrage sur les événements d'Arc-Vatripon. Le résultat de plusieurs années d'enquête. C'est une petite maison donc rurale, on va dire, donc perdue au milieu des champs, avec une famille sans histoire. Mais à partir du 5 janvier 1993, se déroulent des événements tout à fait extraordinaires. Ce soir-là, les meubles et les objets vont commencer à se déplacer seuls. La maison semble habitée par une présence terrifiante. En fait, les habitants appellent les forces de l'ordre vers 22h30, 22h45, mais donc les phénomènes avaient déjà eu lieu auparavant et même déjà certains jours qui précédaient. Mais il y a eu un crescendo, c'est-à-dire donc que les phénomènes devenaient de plus en plus importants et au moment où ils appellent les forces de l'ordre, ils sont vraiment dépassés par les événements. Au cours de ses recherches, Michel Van Bokenstal a retrouvé certains protagonistes de l'époque. Et notamment l'ancien gendarme qui était de permanence ce soir-là. Michel Baguet est aujourd'hui à la retraite. Mais il se souvient encore de chaque détail de la nuit du 5 au 6 janvier 1993.
On nous a appelé donc du dispatching pour nous demander de nous rendre dans une maison où les gens se plaignaient de dépassement de mobilier, d'objets qui tombaient par terre. Donc, un collègue et moi, on s'est regardé, on a rigolé et puis on s'est demandé dans quelle galère on allait débarquer. Leur tour de garde est presque terminé, mais Philippe Baguet et son collègue décident tout de même de passer voir les propriétaires de la maison. Il est 23 heures. Les deux hommes frappent à la porte et remarquent un détail amusant. Un petit détail, c'est que le monsieur nous reçoit avec un casque de contre-maître là, en plastique. Donc le collègue et moi, on se regarde et on dit c'est encore plus grave qu'on le pensait, quoi, dans le sens de la plaisanterie continue. Dans la maison vivent un couple de septuagénaires, leur fille et le petit ami de cette dernière. Mais ce qui retient l'attention du gendarme de prime abord, c'est l'incroyable désordre qui règne dans chaque pièce. Donc dans la première pièce où nous rentrons, il y a des mobiliers par terre, des débris, des bibelots qui jonchent le sol. Donc on demande qui a bien pu faire ça. Parce que pour nous, ça ressemble plus à une scène de ménage qu'à autre chose. Et donc il nous dit non, ça vient tout seul, ça tombe tout seul. Le gendarme Baguet n'en croit pas un mot. Mais en inspectant la maison, il va être témoin d'un phénomène extraordinaire. L'arrachage par une force invisible d'une prise du téléphone posée sur le frigo de la cuisine. Personne d'autre ne pouvait avoir accès à ce fil. Et le fil s'arrache carrément de la prise du téléphone. Et ce n'est qu'un début. Durant cette nuit complètement folle, les gendarmes vont assister à une véritable valse des objets. Et donc ça va très vite. Hein. Quand on parle de déplacement, on ne peut pas parler d'un objet qui flotte dans l'air. C'est un objet qui s'efface très très vite. Et ce n'est qu'au moment où l'objet tombe par terre qu'on peut se rendre compte de ce que c'est en réalité. Donc comme un livre, un gros bouquin qui passe à travers la cuisine, qui se tape contre le mur. Et une fois au sol, le coin du bouquin est carrément plié. Les officiels, gendarmes et policiers ont vu pendant environ 48 heures durant d'affilée eux-mêmes tous les phénomènes, c'est-à-dire donc les objets qui se déplaçaient devant leurs yeux, médusés, sans pouvoir trouver d'explication quelle qu'elle soit. Ces photos, prises par les enquêteurs, ont été transmises au parquet de Mons. On y voit les dégâts constatés durant ces 48 longues heures. Bois de lit arraché, marbre fendu, vitres brisées, meubles renversés. Mon témoignage ici ne tente pas à vouloir prouver quelque chose. Donc je rapporte des faits, c'est tout. Pour moi, c'est inexpliqué. J'aimerais bien qu'on me l'explique. On a parlé de tour de magie, on a parlé d'hypnotisme. Je crois que s'il y avait vraiment tour de magie, on aurait quand même pu retrouver, vu le nombre de phénomènes qui se produisent sur quelques mètres carrés, on aurait pu trouver des artifices, ficelles, pétards, je ne sais pas. Si à ce jour, le gendarme Baguet n'a toujours pas d'explication, les experts, eux, ont une théorie. Une théorie incroyable. Malgré les apparences, ces manifestations ne seraient pas l'œuvre d'un fantôme. Au contraire, il y aurait une explication bien plus rationnelle. Alors, l'hypothèse parapsychologique, c'est que le poltergeist aurait son origine dans une espèce de force qui émanerait d'une personne présente sur les lieux. Mais ça, de façon complètement inconsciente, la personne ne s'en apercevrait pas. Dans le jargon parapsychologique, c'est ce qu'on appelle l'agent du poltergeist, une personne souvent jeune et atteinte d'un profond mal-être. Disons qu'elle aurait une certaine tension psychologique, vraiment de gros problèmes, mais au lieu d'avoir une réaction psychosomatique normale, habituelle, disons, avoir un lumbago ou, je ne sais pas, un ulcère d'estomac, et bien elle extérioriserait donc tout ce malaise sur les objets de la maison. Dans l'affaire d'Arc Vatripon, l'attention des experts s'est assez rapidement portée sur un jeune homme. Eric, le petit ami d'une des filles de la famille. À l'époque des faits, il avait tout juste 24 ans et le profil parfait de l'agent du poltergeist. Il est originaire de la région de Braine-le-Comte.
Il est également croyant, mais pas pratiquant. Il est surtout soupçonné d'avoir participé à des séances de spiritisme. Et 4 ans avant les faits, il a été victime d'un grave accident de la circulation, duquel s'en est suivi donc un traumatisme crânien avec probablement trépanation. Selon les rapports d'enquête, les phénomènes auraient en effet commencé un mois après l'arrivée d'Eric au sein de la famille. À l'époque, le jeune homme est au chômage et en rupture avec ses proches. C'est pourquoi les parents de sa fiancée l'avaient recueilli. Il a été adopté par cette famille dans un esprit, je dirais, de charité chrétienne. Mais visiblement, le jeune garçon et sa petite amie ont bien du mal à vivre leur histoire dans la famille de la jeune fille. Des gens aux mœurs très traditionnelles. De ce côté-là, on arrive dans un sujet assez complexe. Parce qu'on peut très bien imaginer que ces gens d'un certain âge, et donc très pieux, n'aient pas accepté certaines choses. La cohabitation, d'accord. Paradoxalement, de pouvoir se trouver dans le même lit, mais peut-être, c'est une hypothèse, l'interdiction d'avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ce qui, dans ce cas, supposerait un supplice de Tantale et une épée de Damoclès. Le malaise du jeune garçon et une profonde frustration sont peut-être à l'origine de phénomènes que même les enquêteurs n'ont pas pu expliquer. Au final, le poltergeist d'Arc Vatripont aura duré 6 mois environ, avant de s'arrêter aussi brutalement qu'il était apparu. À la lumière des événements d'Arc Vatripont, nous nous sommes à nouveau penchés sur l'affaire de l'esprit frappeur de la machine. Pour Yves Lignon, il n'y a aucun doute, l'agent du poltergeist, c'était l'enfant de la maison, le petit Dominique, âgé de 12 ans à l'époque. C'était un enfant unique, c'était un enfant arrivé sur le tard, comme on le dit, et il était couvé au point d'être étouffé. Et ça, il le ressentait, il le disait. Et le mur a été un exutoire. Aujourd'hui, le petit Dominique est âgé d'une 50aine d'années. Et Eric en a 45. Nous avons tenté de les retrouver, mais l'un comme l'autre fuit tout contact avec les médias. Malgré les théories parapsychologiques qui expliqueraient l'apparition de Poltergeist, ces deux affaires resteront donc à jamais bien mystérieuses. Les spectres, les fantômes, les ectoplasmes, les poltergeists, autant de phénomènes paranormaux qui viendraient rappeler aux vivants que les morts font aussi partie de leur vie. Certains y voient une manière d'apaiser le deuil. D'autres sont effrayés par ces apparitions. Les plus sceptiques, quant à eux, ne voient qu'arnaque et supercherie. Alors faut-il y croire? Faut-il l'accepter? Peut-on réellement communiquer avec les morts? À chacun ses idées, à chacun ses croyances.